Si les pelleteuses n'ont pas encore commencé leur travail, les ouvriers sont déjà à pied d'œuvre ce mardi 12 mars pour installer la zone de chantier au Paquier. D'ici quelques jours, l'esplanade du lac d'Annecy, entre le pont des Amours et le site des Abreuvoirs, va faire l'objet de travaux jusqu'en mai pour équiper le secteur d'un réseau de distribution d'énergie électrique pour les loueurs de bateaux. L'objectif de ces travaux, c'est de continuer à travailler avec l'État pour apaiser le lac, avoir moins de bateaux à moteur, puisqu'on prévoit environ 30% de bateaux électriques à la location qui est autorisée par l'État. C'est un tiers de la flotte à terme qui devra être électrifiée dans une perspective d'apaiser le lac et dans une perspective de transition. Dans un premier temps, ces travaux concerneront la création de réseaux souterrains abritant les câbles pour le raccordement aux bateaux. Suivra en avril une autre phase, celle de la construction d'un poste de transformation au niveau du parking Bonlieu, avec l'enjeu de minimiser son impact visuel. On va travailler en fait avec une enveloppe préfabriquée qui va être livrée et ensuite on va procéder à un habillage de la guérite en adossant également un sanitaire public. On est dans une zone, vous vous en doutez, assez fréquentée en période estivale et l'idée dans le cadre du budget participatif qui a été retenu, c'est de construire un sanitaire public à proximité du Paquier. Donc on va profiter de l'opération pour intégrer harmonieusement le transformateur, le sanitaire et la guérite du parking qui a besoin d'être rénovée. Côté promenade et front du lac, le raccordement et les boîtiers électriques vont eux aussi être camouflés et intégrés au mobilier urbain existant. L'objectif du chantier mené par Enedis est également d'atténuer l'empreinte carbone des travaux, avec en particulier la récupération de matériaux sur place. Le déblai de la fouille va être réutilisé sur place avec, pour éviter les transports, les apports de matériaux nouveaux. Donc c'est dans cette optique que l'entreprise Sécon a été choisie et qu'Enedis va développer ce principe de chantier propre. Cette année, 3 bateliers seront alimentés via ce nouveau réseau électrique. Mais d'ici quelques années, quand les nouvelles autorisations d'occupation seront accordées, une dizaine de loueurs de bateaux au total pourront bénéficier de cette nouvelle infrastructure.